Good morning, Alaïdan, les sutres aujourd'hui, le Nishmat, Machlouf, Micha ben Masouda, Nachman Youssef ben Nachum, Avram Khaynor, ben Fortune, Mazaldov, ben Yudi, Tenisan ben Mafret. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Micha, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Masechet Tamid, Perek Zain, Mishnah Alef, Bizman, Shekohen Gadol, Nichnas, Eishtachavot, Shlosha, Ochazin, Bo, Echad Bimino, Vechad Bismolo, Vechad Bavanim, Tuvot, Vekavan Shishama, Mimune, Kol Raglav, Shel Kohen Gadol, Shou Yotze, הגביה לו את הפרוכת, נכנס להשתחווה ויצא, נכנסו אחיו הכהנים והשתחוו ויצאו. Concrètement, on a fini toutes les avodot du matin. On a fini avec les varim, on a fini avec la ktoret, on a fini avec la tavata nerot de la menorah. Donc, on a... Ouais, on a... L'histoire de la ktoret, ça s'est étalé quand même pendant... Un perek et demi, c'était peut-être 5-6 mishnayot en tout, pour préciser comment est-ce qu'il fallait faire la Torah. Dans la dernière mishnah du perek précédent, on a fini de faire brûler l'encens, les kohanim sont sortis dehors. Maintenant, en théorie, on a fini la vodote du matin. Il y a un petit problème technique, je vous en parlerai après, pour ceux qui auront le temps de rester avec moi. En tout cas, pour le moment, donc concrètement, on a tout fini. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a fini. Quand on finit la voda, il faut se prosterner, et puis après, bénir le Ham Israël, la birkat kohanim du Beth Amikdash. Donc se prosterner d'abord, après, vous avez déjà vu que chaque fois qu'on a fini une étape importante, on est rentré dans le Echal, on s'est prosterné. Et bien quand on a fini le matin de faire toute la vodot, tous les kohanim vont rentrer à tour de rôle. Je pense que c'est tour de rôle, c'est en trois groupes à mon avis, essentiellement. Le Kohen Gadol d'abord, le Sgan, le second, Sgan, second, c'est le même terme, le second, le vice Kohen Gadol. Et après, ça va être tous les kohanim qui vont entrer. Ils rentrent tous dans le Echal, ils se prosternent, ils s'allongent par terre, de Pichut, Yadaim, Raglaim, ils tendent les mains et les pieds, et ils ressortent. C'est leur. À l'époque, c'était comme ça qu'on faisait la Tfila. Après, pour plusieurs raisons, alors, la fin de la Tfila, elle a changé d'allure, et c'est devenu maintenant la Mida, comme ce qu'on fait. Au Beth Amikdash, on se prosternait. Et donc, maintenant, le premier qui ouvrait. La Avoda, c'était le Kohen Gadol. S'il était là, bien sûr, il n'était pas là tout le temps, mais s'il était là, alors c'était lui le premier qui allait d'abord entrer dans le Echal. Lorsque le Kohen Gadol va rentrer dans le Echal pour se concerner, le Kohen Gadol, c'est le grand boss après le... D'accord? Au Beth Amikdash, c'est le poste le plus haut. Du coup, il y a beaucoup de Kavod, il est très vénéré, et du coup, lorsqu'il marche, eh ben, il a des gens qui l'entourent, il ne marche pas tout seul, une personne importante marche, accompagné constamment de gens qui le soutiennent, pas des gardes du corps forcément, c'est plus pour la question de Kavod, quoi. Il est sans arrêt accompagné, c'est une personnalité importante. Du coup, il va y avoir deux personnes à côté de lui, une de chaque côté, plus une derrière lui qui lui tient les pierres, pas du pectoral, mais les pierres du éphod. Il y avait sur le tablier, il y avait des sortes de bretelles comme ça qui redescendaient, il y avait là-bas deux pierres, il devait les tenir. J'ai pas trop compris quel est l'intérêt, en quoi c'est un kavod, en tout cas comme ça c'est expliqué. On fait ça dans les mots pour le moment. Bizman shekohen gadol nichnas leishtachavot. À partir du moment où le kohen gadol veut entrer pour se prosterner, donc entrer dans le echal, alors shlosha ochazin bo, trois kohanim vont le soutenir. Echad bimino, un à sa droite, vechad bismolo, et un à sa gauche, vechad ba'avanim tovot, et un il va soutenir les pierres précieuses. Les deux pierres ici. Et les kitfot à Ephod, il rapporte le Barthénois, Katef, c'est les épaules, sur les deux épaules du Ephod. Celui qui nous dit que c'était par derrière qui les attrapait, c'était le Tiferet Israël. D'accord? En tout cas, il est en train d'entrer pour le moment dans le Echal. Alors, il entre dans le Echal, il se prosterne. Et lorsqu'il va revenir en sortant, Vekevan Sheshama Memune Kol Raglav Shel Kohen Gadol, étant donné que le Memune, le responsable, entend les pieds du Kohen Gadol, les pas du Kohen Gadol, Shehu Yotze qui est en train de sortir, puisque le Kohen Gadol, il a 8 vêtements, un d'eux c'est le Meil, il a une sorte de manteau avec en dessous des petites cloches. Donc lorsqu'il marche le Kohen Gadol, ça fait gling gling, ça, les cloches font du bruit. Eh bien, Vekevan Sheshama Memune Kol Raglav Shel Kohen Gadol Shehu Yotze, quand le Memune, le responsable sur la porte, entend le Kohen Gadol qui est en train de sortir, Igbialo et Aparochet,
Il lui soulevait le rideau. Marloquette, on va voir, d'abord je traduis le mot, mais en tout cas Marloquette, est-ce que le rideau il était là entre le Houlam et la Hazara, ou est-ce qu'il était entre le Houlam et le Echal? Et donc, une fois qu'il a fini, donc il a soulevé le rideau pour le faire sortir. Nichnas vishtachava veyatsa. Ensuite lui-même, il entrait et il se prosternait pour sortir. C'est qui le Mémouné qui est en train de tenir la porte? Pas le Sgan, je vous dis le Sgan au début du cours, c'est pas le Sgan, c'est le Mémouné cette fois-ci. Et Nichnesu, Echav, à Kohanim, vishtachava veyatsu. Après lui, entraient ses frères les Kohanim, ils se prosternaient et ils ressortaient. C'est-à-dire, on explique un petit peu mieux de quoi ça parle. D'abord, bon. On a compris l'idée générale. Quoi qu'il arrive, il va falloir se prosterner. Ça va être en trois groupes. Le premier, c'est le Kohen Gadol. Après, ça va être le Mémouné, celui qui est responsable en train de tenir le rideau, puisqu'après, il va lever le rideau. C'est déjà lui, il rentre. Et une fois que lui rentre, tous les autres Kohanim vont rentrer. Voilà, c'est ce qu'il y a écrit dans la Mishnah. Maintenant, il y a quelques petits détails à préciser. Tout d'abord, pourquoi le Kohen Gadol, on lui lève le rideau lorsqu'il ressort, mais pas lorsqu'il entre? Le Gaon de Vilna explique, c'est très simple. Ben, lorsqu'il entre, il vient en marchant de par devant, donc il peut pousser et entrer lui-même. Mais lorsqu'il ressort, il faut sortir à reculons. Alors du coup, il va sortir à reculons, et c'est pas ton cavote comme ça de repousser la porte comme ça par derrière. Donc du coup, il faut quelqu'un qui lui lève. C'est une question technique quand même, quoi, dans ce cas-là. Alors quoi, et les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, le Tiferet Israël à la porte, c'est simple. Une fois qu'on avait levé la porte pour le Kohen Gadol, eh bien on l'a laissée ouverte ensuite, constamment, pour tout le monde. Même mieux que ça, il précise aussi là-bas que, en fait, on avait refermé ce rideau que pour le Kohen Gadol, de manière à ce que lui entre pour s'isoler avec Hachem, mais lorsque les autres Kohenim vont entrer, on laisse les rideaux ouverts. Une fois que le Kohen Gadol est sorti, qu'on a levé les rideaux, qu'on a attaché, donc les rideaux sur les côtés, on le laisse comme ça, et même les autres Kohenim qui vont entrer, ils vont entrer avec le rideau ouvert. Donc ils ont plus de problèmes. Ça, c'était deux. Troisième point maintenant, je vous ai dit, le rideau se trouvait où exactement? Le Barthes Noir rapporte que le rideau, c'était le rideau du Houlam. Le Houlam, c'est le hall d'entrée. Il y avait un rideau ici. Seulement, il y en a qui réfutent ça complètement, qui disent qu'il n'y avait pas de rideau à cet endroit-là. Mais que le rideau, en fait, il était dans le Echal. Entre le Houlam et le Echal, ici. D'accord? Ça, c'était trois. Maintenant, juste une remarque. En préparant le cours de la Mishnah, il y a eu quelque chose qui m'a vraiment dérangé énormément. C'est que pour moi, il manque une étape. Si vous avez bien suivi ce que je vous ai expliqué, eh bien, normalement, il vous manque une petite étape qui n'a pas été explicitée. Peut-être parce que j'ai mal expliqué, en réalité. Parce que moi aussi, j'attendais que ça allait arriver, et puis, c'est pas arrivé. Je m'explique. On a fait toute la voie d'auto-appelé. Maintenant, on a fini après tout le reste avec technique. Et on va voir comment est-ce qu'on va faire la bracha du à l'Israël, avec un petit détail pour le Kohen Gadol qui veut faire la voie, et puis après, on va finir complètement avec certains amis. Pour rappel, il y a eu le premier tirage au sort pour la Tourmat HaDeshen. Après, ils ont trouvé le Tourmat HaDeshen et veut lever les cendres. Deuxième tirage au sort, c'était pour qui allait faire le Tamid et qui allait vider les cendres du Mizbeach HaZahav et de la Menorah. D'accord? Donc déjà, on a fait la Shreta du Korban Tamid. Après, il y avait le troisième tirage au sort, c'était pour la Ktoret. Le quatrième tirage au sort, on l'a fait tout de suite après. C'était pour qui allait finir de faire monter les membres du Korban Tamid. C'est-à-dire, parce que le Korban Tamid, vous vous rappelez, il y avait comme ça tous les Kohanim qui étaient... Une fois qu'on avait fait la Shreta du Korban Tamid, on l'avait disséqué en plusieurs morceaux, les Kohanim étaient montés sur le Kevesh et l'avaient laissé à la mi-hauteur du Kevesh. Donc il fallait désigner une quatrième personne qui allait prendre les membres et les faire monter sur le Kevesh. Entre parenthèses, j'ai découvert un truc que je savais que j'avais pas fait attention lorsque j'ai donné le JO, qu'il y avait un seul Kohen qui s'occupe ensuite de prendre tous les membres pour les faire monter sur le Mizbeach. Ma question, elle est très simple. Elle est que nulle part c'est écrit à quel moment ensuite ce Kohen va prendre les membres pour les faire monter sur le Mizbeach. C'est pas précisé du tout. J'attendais qu'on allait le revoir, et j'ai regardé la suite des Mishnayot, et puis ça va plus réapparaître, c'est fini. Ouais? Vous avez compris ma question? Après la deuxième, par rapport aux quatre tirages, avant le tirage de la Ktoret, les Kohanim ont pris les membres et les ont mis sur le Kevesh. Et après? Après, il va falloir, après, au quatrième tirage au sort, on va désigner la personne qui va les prendre et les faire monter sur le Mizbeach. Ok. Après, la Michelle va me dire, bon, alors pour l'actorette, ça se passe comme ça, on faisait comme ci, comme ci, comme ça. Et à quel moment on va faire monter les membres sur le Mizbeach, c'est plus précisé. Il me reste à déduire qu'en réalité, depuis le moment où on avait fini le tirage au sort de la personne qui allait faire l'actorette, pendant ce temps, celui qui avait reçu le feu vert pour pouvoir, qui avait été désigné pour faire monter les membres, et ben, j'imagine qu'il partait tout de suite le faire tout de suite.
C'est pour ça que la machine n'a plus besoin de le préciser, sinon j'ai pas d'autres réponses à vos brevets. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.